La violence, l'expression de démocratie, c'est un droit de vote. Donc toute ma pensée pieuse va vers des victimes des dernières violences. J'en pleure toute ma vie. Monsieur le Premier ministre, cette réception est une démonstration de la vie. Pour monter un témoignage à la communauté internationale, qu'il y a une partie des Guinéens qui disent oui à une réconciliation. Écoutez, pensez, prenez comme vous voulez. Il y a une partie des Guinéens qui pense non pour la nouvelle constitution. Il y a une bonne partie qui pense oui pour la nouvelle constitution. Je crois que le retour du président de la République au pays donne l'occasion à ceux qui pensent qu'il faut aller à la nouvelle constitution, d'apporter leur soutien. N'oubliez pas que les consultations que j'ai vues menées n'ont pas encore de réponse. Il a pris acte des avis des uns et des autres. Il a pris acte, même loin du pays, de l'expression à travers des manifestations jugées grandioses de l'opposition pour dire. Il prendra acte aujourd'hui de l'expression massive, que vous verrez de voir encore plus massive que ce qu'on a vu la semaine dernière, de l'opposition qui dit oui à la nouvelle constitution. Dans ses prérogatives constitutionnelles, dans sa sagesse, il prendra la décision qui convient pour la Guinée. Est-ce que le message à l'endroit du peuple guinéen, monsieur le Premier ministre, et votre constat par rapport à ça? Le message aux Guinéens, c'est de dire la démocratie, ce n'est pas la violence. D'abord, j'adresse mes condoléances les plus attestées aux familles éprouvées dans les dernières violences. Nous avons des morts pour coucher à l'hôpital. Ça, ce n'est pas la démocratie. Il faut que les Guinéens se ressaisissent, qu'on renonce à la violence, que dans les dispositions constitutionnelles pour la démocratie, qu'on s'exprime par les voies démocratiques. Ce n'est pas dans les violences. Mon message aux Guinéens, c'est l'appel à la sérénité, l'appel à la fraternité, pour que rien, surtout pas la violence politique, ne détruise le socle de la société guinéenne, le socle de l'unité de la nation qu'on est en train de mettre en place. Merci. Oui. Je ne sais pas si je suis un homme.